Voilà. Maman, je suis mort aïe. Voilà. Bosco, bonjour. C'est beaucoup mieux comme ça. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je commence par saluer toutes les filles et toutes les femmes de la République démocratique du Congo à travers votre présence ici. Nous sommes ici pour célébrer la journée internationale de la femme, appelée aussi communément Journée internationale des droits de la femme. C'est une journée spéciale pour non seulement les femmes congolaises, mais également pour les hommes congolais, pour la République démocratique du Congo. Cette journée est l'occasion pour nous tous de faire le constat d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous devons aller en tant que pays, en tant que communauté. Pourquoi est-il important d'accorder de l'importance aux femmes congolaises? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vous demande de pouvoir me suivre parce que ce message, je l'ai spécifiquement préparé pour vous.
Je disais qu'il est important pour nous tous, Congolais, femmes et hommes, de faire une évaluation de la situation dans laquelle se trouve la femme congolaise aujourd'hui, d'analyser le parcours depuis 1960 jusqu'à ce jour et de pouvoir projeter où est-ce que nous voulons aller en tant que société, en tant que République démocratique du Congo, notre pays. Mais pour commencer, je voudrais vous dire que la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays, a, dans son article 11, indiqué clairement que tous les êtres humains, tous les Congolais, c'est-à-dire les hommes et les femmes, lorsqu'ils naissent, ils sont égaux. C'est-à-dire qu'ils ont droit aux mêmes avantages, ils ont droit à toutes les protections données par notre pays pour que chacun de nous puisse s'épanouir dans la société correctement. Et je voudrais vous dire pourquoi nous ne devons pas négliger les femmes. Lorsque on regarde la population de la République démocratique du Congo, nous sommes environ 90 millions d'habitants. De cette population, 53% de la population est constituée du genre féminin, c'est-à-dire que les femmes représentent la majorité de notre population, 53%. Et les hommes représentent combien? Pardon, les hommes représentent combien? Si les femmes représentent 53%, pour avoir 100%, les hommes représentent quel pourcentage? 47%. Donc la majorité de la population congolaise est constituée des femmes. Si nous excluons les femmes de tout ce que nous faisons tous les jours dans notre pays, nous avons éliminé la moitié de la population, plus de la moitié de la population. Donc, les efforts du développement du pays ne peuvent pas réussir si la moitié de la population ne participe pas à ces efforts de développement. Par conséquent, nous devons faciliter l'accès de tout le monde aux mêmes avantages et aux mêmes droits pour que chacun de nous se sente à l'aise dans la société et qu'il puisse donner de son mieux pour pouvoir contribuer au développement du pays. Qu'est-ce que nous devons faire alors pour faciliter cet accès de tout le monde aux mêmes opportunités? Nous devons, dès le bas âge, faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. Une personne qui est éduquée, qui est instruite, qui est partie à l'école, connaîtra ce qu'il faut faire pour pouvoir se prendre en charge soi-même, mais aussi prendre en charge sa famille et prendre en charge son pays. L'éducation est très importante. C'est pour cela que je salue l'initiative prise par le chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement pour permettre à tout enfant congolais d'avoir accès à l'éducation de base. Mais nous devons faire en sorte que la gratuité de l'enseignement puisse être accompagnée de mesures complémentaires qui permettent aux enseignants d'avoir de bonnes conditions pour pouvoir enseigner les élèves et que les élèves aussi puissent vivre dans de bonnes conditions pour apprendre correctement. Quelles sont les mesures complémentaires que je vois? Par exemple, il faut payer les enseignants correctement. Il faut mettre dans toutes les écoles des bibliothèques. Il faut réhabiliter les salles de classe et construire de nouvelles écoles pour que le nombre d'élèves dans une classe ne soit pas trop élevé. On ne peut pas avoir un bon enseignement si nous avons, par exemple, des classes de 300 élèves par enseignant. Nous devons réduire ce nombre à 35 maximum pour que l'enseignant ait l'occasion de bien connaître les élèves et que les élèves aient l'occasion de bien connaître l'enseignant et d'entendre ce qu'il enseigne. Donc, en faisant cet effort de faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation, les premiers bénéficiaires, c'est qui? C'est la femme congolaise. Parce que dans le passé, la fille congolaise était exclue de l'enseignement. On la gardait à la maison pour préparer, faire la cuisine, pour se marier, faire des enfants, mais on ne leur donnait pas l'occasion de pouvoir donc étudier. Donc nous devons soutenir cette initiative de faciliter l'accès de tout le monde à l'éducation pour pouvoir donc apprendre, pour que nos filles, quand elles terminent les études, puissent s'insérer dans la société avec compétence et qu'elles soient prêtes non seulement à s'occuper correctement de leur famille,
mais aussi qu'elles soient prêtes à avoir une position professionnelle, avoir du travail pour se prendre en charge. Pourquoi est-il important qu'une femme se prenne en charge? J'appelle ça l'autonomisation des femmes. Nous n'avons pas besoin d'avoir une société où les femmes dépendent exclusivement du soutien financier qui leur est donné par leur mari ou bien par les hommes. Nous voulons que les femmes aient aussi des compétences, trouvent du travail, gagnent du salaire. C'est-à-dire, quand elles viennent à la maison, même quand elles sont mariées, et là aussi apporter donc un revenu qui pourrait être complémentaire au revenu du mari pour qu'ensemble ils puissent supporter donc leur famille correctement. En plus de cela, je vais vous dire que l'éducation de la femme, elle est extrêmement importante. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi on dit cela? On dit cela parce que quand la femme a des enfants, le mari peut être parti au travail, elle passe le temps avec ses enfants. Elle peut les éduquer, elle peut les encadrer, elle peut leur faire faire des devoirs. Ça, c'est important pour qu'on puisse avoir des familles qui évoluent correctement dans notre société. Je souhaiterais vous mentionner ce que moi j'ai déterminé comme étant une évaluation des progrès réalisés par notre population féminine depuis 1960. Depuis 1960, on a constaté qu'au départ, on n'avait pas beaucoup de femmes dans les fonctions officielles. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Nous trouvons des femmes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises publiques, au niveau des institutions financières, au niveau du secteur privé, des organisations non gouvernementales. Donc, les femmes sont partout. Mais je considère que le pourcentage de ces femmes qui occupent des fonctions importantes reste encore minime par rapport à l'ensemble de la population totale. D'où nous devons faire des efforts pour les promouvoir, pour les soutenir, pour les encourager, pour qu'elles étudient, qu'elles aient des compétences, qu'elles puissent avoir des formations professionnelles complémentaires afin de pouvoir monter dans la société et d'être un complément utile à ce que nous, les hommes, nous pouvons faire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le message que je vous donne est important? Voilà. Donc, nous devons faire en sorte que la communauté congolaise, qu'elle se développe en ne laissant pas donc derrière une partie de la population qui est constituée donc des femmes. Maintenant, je voudrais vous demander quels sont les domaines où nous pouvons encore faire davantage pour accompagner les femmes dans leur évolution à ce qu'elles puissent assumer leurs fonctions de façon donc égale par rapport aux hommes. Nous devons, par exemple, mettre fin à des guerres et à des conflits armés. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans des endroits où il y a des guerres et des conflits armés, les premières victimes, c'est qui? Ce sont des femmes. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent fuir, peuvent aller faire la guerre, mais lorsque les assaillants viennent envahir une communauté, ils prennent en otage les femmes, ils les violent, elles les traitent comme des choses plutôt que des êtres humains. Nous devons donc mettre fin à des conflits armés. C'est ainsi que j'invite encore une fois de plus toute la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme pour que la guerre à l'Est puisse terminer. Pourquoi? Parce qu'on a fait trop de victimes et surtout parmi la population féminine. Nous devons aussi soutenir les efforts pour la formation continue et l'éducation des femmes puisque ça leur ouvre des portes et des opportunités. Et nous devons enfin pouvoir créer des conditions pour que les femmes puissent créer leurs petites entreprises, les micro-entreprises comme on les appelle, qu'elles puissent créer leurs petites entreprises avec les soutiens qui pourraient leur être donnés par le gouvernement à travers des institutions donc spécialisées. Si nous faisons ces choses-là, moi je pense que nous allons faire beaucoup de progrès dans le processus de développement. Pourquoi? Parce que chacun de nous, et comme je vous ai dit, 53% de la population qui est constituée des femmes, chacun de nous pourra contribuer à développer la République démocratique du Congo et à créer des opportunités pour tout le peuple congolais. Je voudrais m'arrêter ici en prenant peut-être la précaution de vous accorder quelques minutes si vous avez des questions auxquelles je pourrais essayer donc de répondre. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir accordé cette attention. Voilà. Soyez belayé, tous ces pélissaillés. Thank you.
maison en faillite. La commune en sécurité. Merci d'être là, le Djogo Yemo Ningidi. Le manager te confirme ce soir. Merci. Après, Vandeko, il y a Arc Dance Academy. Tu as dit que Balé Kouba. Balé Kouba, tu as dit que Babeta Babeta. Parce que c'est Belisa dans la musique folklorique, danse folklorique. Alors, pas bien, mais ça vraiment une onde. Sécurité, bon, et bien, c'est ce qu'on a, sécurité. Nazopanga. Ah mon Dieu, merci d'être là, mon ami, depuis Rodrigue, Sabine, Maningaba, Massaranga, Vagayembe, Likova Kime. On est ensemble. Merci d'être là, mes amis, de très longue date. Rodrigue, Sabine, Rodrigue, Maningaba, Kayembe. Insécurité, les gars, pas de temps, les gars, les gars. Misala imona na kakaka.